Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble la fabrication du boudin noir. Alors le boudin noir dit plutôt à la parisienne puisqu'on va le faire sous format du menu de porc, alors que ce soit en brasse ou en portion, au choix, vous verrez suivant l'inspiration du moment. Et puis par la suite, ça vous permettra d'avoir la base et d'évoluer sur la recette avec vos idées du moment, vos goûts. Et puis il n'en demeure pas moins qu'il y a autant de recettes et de façon de faire le boudin noir qu'il y a de régions et de départements en France. Je vous ferai un post prochainement dessus où vous pourrez voir un petit peu l'évolution, l'histoire du boudin noir. Donc tous à vos couteaux, à vos boyaux et on y va. Donc on va mettre de l'eau froide ou tiède suivant le nombre de boyaux que vous avez à détendre. Donc en général, il est au sel sec ou en saumure. Donc voilà, on va détendre le boyau, le réhydrater un peu parce que le sel sec, ça déshydrate. Voilà. Et puis on va faire passer l'eau dans notre boyau afin de regarder déjà d'une part si il n'a pas de trou. Et de le réhydrater afin que la masse de boudin qu'on va lui faire passer dedans tout à l'heure soit plus facile à passer. Voilà. Donc, on passe le maximum d'un seul tenant. Alors, la façon la plus aisée de faire, on va dire, c'est de faire ce système de un peu comme de balançoire et de le faire hors du récipient où vous avez déjà un peu d'eau et votre boyau. Alors ça permet de voir tout de suite si vous avez un trou. Comme ça, si vous avez un trou, vous coupez tout de suite à cet endroit-là, ce qui vous permettra de ne pas avoir un souci au moment de couler votre boudin, d'embosser votre boudin et qu'il y ait du boudin partout. Voilà. Donc vous repérez s'il faut et vous coupez. Une fois que tout votre boyau sera coulé, vous le remettez dans un récipient pour y goûter et on passera à la phase suivante. Alors ça c'est bien, c'est quelque chose que vous pouvez faire soit avant de démarrer votre boudin et si vous en avez beaucoup à faire, d'aventure vous le faites la veille, c'est pas un problème. Voilà, donc là j'avais pas de souci. Donc je réégoutte bien. Voilà, et là, pour le coup, notre boyau est passé, on est prêt à embosser. Donc voilà, on va se mettre sur le boudin noir. Donc, on a plusieurs options. Donc, soit on a le hachoir, auquel cas, on va tout hacher au hachoir à viande. Soit on n'a pas. Alors, on a une option, c'est ciseler très fin, moyennement fin à votre goût, les oignons, n'est-ce pas? Certes, c'est fastidieux, mais on aura un résultat quand même intéressant. Voilà. Ok, ça c'est la solution 1. La gorge, la couper en petits cubes à la main. Après, on a l'option du hachoir à main. Donc si vous devez tailler, alors certes ça va prendre du temps, un petit peu. On peut éventuellement mettre la gorge légèrement au congèle pour qu'elle soit un peu plus ferme pour pouvoir la tailler. Donc voilà, vous pouvez tailler des petits cubes comme ça. Donc nous, on va la passer au hachoir. Alors là, j'ai mis la grille numéro 8 pour ceux qui ont des grilles plus ou moins différentes. Hop. Voilà, les oignons, je les ai déjà coupés en gros morceaux puisque je vais également les passer au hachoir. Donc je vais passer mes oignons au hachoir en premier puisque c'est ceux-là que je vais faire rissoler en premier. Et ensuite, on hachera la gorge.
Je finis par un petit morceau de gorge. Voilà. Voilà, comme ça je suis sûr que tous les oignons sont sortis. Et je vais mettre les oignons à rissoler dans ma casserole. Donc on applique la règle de 3, donc il y a un tiers d'oignon, un tiers de gorge et un tiers de sang. Voilà. Donc j'ai mis 1 kg, 1 kg, 1 kg. On va bien amorcer la cuisson de l'oignon et ensuite on mettra la gorge. Donc je laisse l'oignon rissoler, pendant ce temps-là, je hache ma gorge. Donc, la gorge est hachée. Donc, on rajoute la gorge avec les oignons. Bon, ça colore un petit peu au fond, j'ai mis au ralenti. Donc le but aussi c'est de faire évaporer le maximum d'eau des oignons. Et comme ça on va repeser notre masse. Donc on sait qu'on a mis un kilo de chaque, mais on va repeser notre masse avant de rajouter le sang pour avoir la masse totale, pour être sûr que pour l'assaisonnement, voilà, pour être sûr qu'on sursale pas, qu'on n'assaisonne pas plus que la masse globale. Voilà, on est pas loin. La grosseur du hachage, là j'ai pris une plaque de 8, après c'est au goût de chacun, si vous voulez plus fin, si vous voulez plus gros, je pense que plus fin, c'est pas nécessaire. Là, je l'ai fait à la plaque 8 parce qu'on va essayer de faire un appareil qui va servir pour 3 fabrications. Vous le retrouverez dans une autre recette. C'est-à-dire qu'on va faire là le boudin noir classique, dit à la parisienne, un petit peu. Après, chaque région de France a sa fabrication du boudin noir avec sa grosseur de boyaux, ses morceaux ou pas, ses épices, ses aromates qui sont différents d'une région à l'autre. Et donc là, on va faire un boudin nature en brasse ou brasse portion dans du menu de porc. Et vous retrouvez dans une autre recette le boudin aux pommes et du mini, du cocktail. Voilà, donc là on n'est pas loin d'avoir bien saisi l'ensemble de l'appareil. On voit bien qu'au niveau de l'eau, il y a l'avantage de ce genre d'ustensile, c'est que c'est une tôle émaillée qui adhère plus ou moins, il faut rester dessus, mais qui est tellement chaude que ça s'évapore relativement vite. Vous voyez que l'eau, il n'y en a quasiment plus déjà. Donc on va bien laisser cuire quand même, un peu vif tout en rondement. Après on va laisser refroidir avant de repeser avec le sang pour avoir la masse globale pour l'assaisonnement. Après on peut y rajouter ce qu'on veut, hein. Si vous voulez y rajouter des abats et si vous voulez y rajouter
de la couenne déjà cuite, hachée, du persil, de la ciboulette, libre à vous, c'est au goût de chacun. Hein. Là, on est sur une base classique. Donc voilà, on a notre viande qui finit de rissoler avec nos oignons. C'est redescendu un petit peu à la température. Ce qu'on va faire, on va peser notre masse totale, on va rajouter le sang et ensuite on va peser notre assaisonnement. On a 1,6 kg. Et on a perdu quand même 400 grammes juste en cuisson. Donc je vais rajouter mon sang. Donc j'incorpore mon sang. Bon, bien sûr, le gaz est coupé. Hein. Alors le sang ultra frais. Hein. Si vous voyez un sang qui est plus ou moins rouge, très foncé, voire noir, pas bon signe, hein. C'est signe qu'il y a déjà quelques jours. Donc toujours demander à votre boucher ou à votre charcutier le sang le plus frais possible. En général, dans les abattoirs, les porcs sont abattus le lundi, donc le mercredi, vous pouvez avoir du sang ultra frais. Le mardi, ce sera compliqué parce qu'en général, il y a un délai de test de sang pour voir qu'il n'y ait pas d'anomalie au niveau bactériologique, vétérinaire. C'est comme les carcasses de porc, c'est la période de reçuage, de contrôle vétérinaire. Donc voilà, donc j'avais pesé 1 kg, mais la règle des 1/3, 1/3, 1/3. Mais je pense que là on va être pas trop mal puisque j'ai perdu quand même 400 grammes de masse. Voilà. Après c'est au goût de chacun. Si vous voulez, là je vais pas mettre, il doit rester 100-150 grammes. Ça correspond au mélange. Donc on a 1,6 kg. Bon, allons. On va tout mettre quand même. On avait 1,6 kg plus 1 kg de sang, 2,6 kg. Voilà. On a nos 2,6 kg. Donc on va peser l'assaisonnement, à savoir 12 g de sel au kilo et 3 g de poivre et 1 g de rabelais au kilo. Donc l'embossage. Donc le cornet. Alors, vous trouvez ça dans certaines grandes surfaces. Le cornet, ils appellent ça le cornet à boudin. Maintenant, il y a toujours moyen de trouver des entonnoirs avec des diamètres plus ou moins gros en plastique, pareil dans les magasins différents, tels les enseignes de jardinage qui font aussi des rayons cuisine. Donc on va s'efforcer d'embosser ce boudin. Donc, ben, la louche, voilà, hein, on y est. Donc, comme ça. On pince le dessous avec son doigt pour fermer, pour éviter qu'il coule de suite. Vous serrez bien. En fait, je vais vous montrer mieux que ça. Vous serrez avec le pouce et l'index, le boyau contre le cornet. Et avec le petit doigt, vous venez fermer. Pour que ça évite au sang de couler pendant que vous chargez. Voilà. Quand c'est chargé, vous laissez partir. Alors quelquefois le boudin s'enroule, se tord. Donc à vous de le dénouer. Donc si vous n'êtes pas sûr de vous, ben, vous ne chargez pas de trop. Et vous faites couler comme ça, petit à petit que l'entonnoir se vide. Donc voilà, là vous avez le boudin noir qui se fait pendant que notre eau est en train de chauffer. Donc on va mener une eau à quasiment ébullition. Le but c'est quand même que le boudin soit saisi, mais on ne le laisse pas à ébullition durant toute la cuisson, parce que le boyau risquerait d'éclater.
Donc là, voilà, on a notre boudin qui se forme. Ouais. Et la bassine, comme je disais dans la liste de matériel, la bassine, pourquoi? Ben, vous voyez, en cas où le boudin éclate, vous avez le moyen de récupérer votre appareil, votre appareil à boudin. Donc il y a toujours moyen d'arrêter le boyau, de faire un nœud de chaque côté et de reprendre, après avec un nouveau morceau de boyau. Hein. Donc là, je vais arrêter pour ce morceau-ci, je pense. Voilà. Voilà. Là, je retourne ma cornée. Je descends. S'il y a une bulle d'air, je m'arrange de la chasser pour le peu. Hein. Mais s'il en reste, c'est pas trop grave, mais il faut minimiser. Alors, vous avez vu, je prends mes doigts comme ça. Je tourne. Je remets en dessous. Je fais un deuxième tour, je récupère et je serre. J'ai un double nœud de fait, vous voyez? Ça évite trop de manipulation. Donc là, quand je suis sûr que mon nœud est bien fait, c'est-à-dire que quand je pousse la masse, le nœud ne bouge plus. Après, si vous poussez comme un âne, forcément, ça pourrait quand même partir. Mais en théorie, si le nœud est bien serré, on n'a pas le souci. Voilà, là, je reprends mon nœud de bout. Alors, je vais serrer délicatement pour pas que le boyau pète non plus. Voilà, je touche pour voir que c'est relativement ferme. Voilà. Je vais me laisser 10 cm de rab pour couper. Voilà. Et toujours deux doigts, je tourne. En même temps, ça me permet de garder la pression. J'enchaîne. Et je tourne. Voilà, là mon boyau est fait. Maintenant on peut le cuire comme ça, c'est pas un souci, et on peut choisir de le mettre en portions comme cela, comme une saucisse, comme un boudin blanc. Moi j'aime bien, personnellement j'aime bien, parce que au moins quand vous le conditionnez, si vous en reste de trop, si vous le conditionnez par exemple au congèle, et ben ça vous fait des portions, vous savez tout de suite combien, pour combien à peu près de personnes vous en avez. Et là ce morceau là je vais le laisser comme ça, parce que j'ai quand même serré relativement. Donc, alors, si vous voulez une astuce encore pour éviter d'avoir trop de longueur et que ça se défasse aux endroits où vous avez torsadé, je le prends, je le double là et je tourne. Comme ça, ça ne va pas se redéfaire. Quand vous allez le plonger dans l'eau bouillante, votre boudin se tient. Voilà. Donc, on a l'eau à ébullition. Et c'est parti pour 20, entre 20 et 30 minutes, si tout va bien. Voilà, 30 minutes, mais à peine même, 25 minutes, et notre boudin est cuit. Donc voilà, on arrive au terme de cette recette, j'espère que vous en avez bien compris l'élaboration du début jusqu'à la fin. Donc je vous conseille de dégoûter le boudin jusqu'avant le réfrigérer, c'est-à-dire au moins 15 minutes. Moi, je le mets sur une grille au-dessus d'un plat pour l'égouttage afin qu'il ne trempe pas dans son eau résiduelle d'égouttage. Et puis, éventuellement, si vous voulez, après 24 heures de réfrigération, le congeler. Deux options s'offrent à vous. Soit vous le congelez à plat afin qu'il soit bien ferme. Si vous voulez le mettre sous vide, il y aura moins de risque d'écrasement à la mise sous vide. Ou si vous voulez le mettre en poche de congélation traditionnelle. Bon appétit !